Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Terry pour ce format un peu spécial hein, puisque j'ai la chance de recevoir aussi aujourd'hui un développeur pour parler du développement de son jeu et d'y jouer bien évidemment en même temps. Et ça, bon, c'est pas gagné, hein, mais bon, on va répondre à ça, il va nous répondre à nos questions, pardonnez-moi, à mes questions, mais également à vos questions à vous, chers amis, chers viewers. Bonsoir à tous, hein, BMO, salut Card, Yeye, Arty, j'ai vu passer, bonsoir à tous, hein, voilà. Donc, je disais, c'est une mission un peu spéciale, je ne vais pas vous mentir, je suis très content et en même temps, j'ai très peur de cette première. Avant de démarrer tout ça, vous devez savoir qu'il y a une clé à gagner ce soir. C'est très facile. Comment gagner sur le support de votre choix? Très, très facile. Comment on fait? Comme d'habitude, si tu n'as pas encore follow la chaîne, tu lâches ton follow, ça te rapporte des points. Ou si tu es là depuis un certain temps, tu as des points. Tu fais un point d'exclamation point avec un S pour voir ton nombre de points. Et sinon, tu fais point d'exclamation avec participer et on aura le tirage au sort en fin d'émission. Évidemment, si je ne lance pas le concours, ben ça ne va pas marcher, on est d'accord. Donc, je lance de suite. Comme ça, au moins, ça devrait marcher. Voilà, il est lancé maintenant. On se prépare tout doucement. Ça, c'est fait. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Non, on va arriver, on fera le tirage au sort en fin d'émission. Mais je le fais beaucoup trop attendre, notre invité du jour. Donc, je vous demande, les gens, un maximum de bruit dans le chat, de cœur, de tout ce que vous voulez pour accueillir Guillaume. Bonjour, Guillaume. Salut Terry, bonjour à tous. Comment vas-tu déjà? Première question, la question finalement un peu logique, hein, normale j'ai envie de dire. Ça va, un peu stressé. Il faut pas. On est entre amis ici, donc il y a pas de stress. On s'excuse hein, au niveau du son, on a fait quelques petits essais juste avant, mais bon, ça va le faire. Avant de venir de parler de sur quoi tu vas nous parler aujourd'hui, cher Guillaume, j'en bafouille, hein, j'en suis désolé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de joueur? Parce qu'avant d'être développeur, tu es joueur. Et là, la caméra vient de sauter. Elle est revenue. Guillaume. Mon parcours de joueur. Je ne t'entends plus, Guillaume. Je t'entendais juste un instant. Je ne t'entends plus. On va y arriver. Bonjour. Voilà. Tu es là. Ok. Bonsoir, noble dinosaure. Oui. Très compliqué. On va y arriver. Du coup, bah, moi j'ai commencé il y a quelques années. Hein. J'ai commencé sur une console qui s'appelle l'Intellivision. Ouais. Je sais pas si des gens connaissent. Je saurais même pas citer quel jeu j'ai joué en premier parce que je devais avoir 4-5 ans à l'époque. D'accord. Je vais te demander juste si tu peux te rapprocher de ton micro un petit peu. Ouais. Ce serait super, vraiment. On me dit dans le chat que c'est un petit chouïa bas. Donc, et Guillaume, j'ai mis le son au maximum. Ah! Je t'écoute. C'est mieux là, oui, je pense. Ok. Désolé. Pas de souci. Donc, tu as commencé avec l'Intellivision. C'est ça. Donc, je devais avoir 4-5 ans à l'époque. Et surtout, après, ma première vraie console, c'est la Master System. Ah, ça arrive, personne n'est parfait. Ça aurait pu être la NES. C'est mieux. Oui, bah, après, à cette époque-là, j'ai pas tellement choisi. Et donc, ouais, après, voilà, j'ai énormément joué sur cette console. En fait, j'ai pas connu la génération suivante. Je suis arrivé directement sur PlayStation derrière. Enfin, voilà, après, en tant que joueur, c'est assez. Les goûts sont assez. Alors, du coup, c'est quoi ton style de jeu à toi? Bah, justement, ça va être. J'ai commencé par du Sonic. Eu pas mal de... Alors, DuckTales, je crois, de mémoire sur Master System. DuckTales sur Master System? Pas DuckTales, mais Lucky Dime Caper, je crois. Ah, je connais pas celui-là. Ok, autant pour moi. Ok. C'était Donald aussi. D'accord. J'ai beaucoup joué au Monkey Island sur Amiga. D'accord. Ça a été un peu la fondation de mon humour. Ouais, voilà. Très... Vas-y. Après. Non, vas-y, je t'écoute. Je vais juste vraiment te demander si tu peux parler un peu plus fort. Oui. Si c'est possible, voilà. Et après, gros coup de cœur sur PlayStation pour, je vais pas être très original, mais Final Fantasy VII. D'accord.
Ok. Donc voilà, après de là, j'ai vraiment joué à peu près à tout ce qui se fait. Alors les genres auxquels je joue le moins, ça va être la baston et les jeux de course. D'accord, c'est moins ton style. Je prends. D'accord. Et du coup, comment t'es arrivé dans l'univers du jeu vidéo, mais en tant que développeur, avant de s'intéresser à la suite, bien sûr. En fait, moi, j'ai fait une formation d'ingénieur informatique très classique à la base. Et quand je suis arrivé en fin d'études, je me suis posé la question de ce que je voulais faire dans la vie. Et c'était certainement pas coder des logiciels de gestion. D'accord. Du coup, j'ai cherché un stage dans le jeu vidéo et je suis arrivé à Ankama. Je ne sais pas si les gens connaissent, c'est ceux qui Ankama, font Wakfu, oui. Wakfu. Oui, je me méfie, des fois je tombe encore sur des gens qui ne connaissent pas. Donc. C'est vrai, c'est possible ça? Ouais, pas forcément dans le jeu peut-être, mais... Et donc, ouais, j'ai fait 8 ans là-bas. J'ai commencé du coup en tant que dev parce que ma formation me permettait de le faire. Et après, j'ai évolué en tant que game designer. D'accord. Ouais, voilà. Donc après, au bout de 8 ans, j'ai commencé un peu à me lasser de ce que je faisais là-bas. J'ai eu envie de changer. J'ai essayé de monter un premier studio. On était à ce moment-là, j'étais avec un ancien collègue et puis un autre gars qu'on a rencontré au travers de salon. Au bout de 2 ans, on s'est planté. Ah, et vous aviez lancé un jeu ou pas du tout? Non, on avait un proto avancé. On a fait la Paris Games Week pour le présenter. Et en fait, on n'a pas trouvé de financement. D'accord. Au bout de 2 ans, on n'avait plus d'argent. Ouais. Donc, il a fallu trouver autre chose. C'est pas évident, hein, mine de rien. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Nous, on est de l'autre côté de la barrière en tant que joueur. Hein, c'est impitoyable, hein, et c'est pas évident. Hein. Quand on est hyper dur. Ouais. On a la chance en France quand même d'avoir un truc qui s'appelle le chômage. Donc concrètement là, c'est sur ces 2 années là, ça c'est ce qui m'a financé le prototypage du jeu. Voilà. Après, on n'avait pas trouvé d'éditeur intéressé. Et puis faut dire aussi qu'on avait lâcher beaucoup d'énergie et qu'on était un peu au bout du rouleau. Quoi. Bon. Alors, voilà. Moi, je propose, on arrive finalement ce pourquoi tu es là aujourd'hui, n'est-ce pas? À savoir, magie de la technique pour vous, chers amis, chers viewers, mais il me faut également faire la même chose pour... je cherche... C'est là, normalement. Hop là, normalement, tu dois tout voir maintenant. Tu vois tout et ça, c'est magnifique. C'est beau la technologie. C'est hein, aujourd'hui on en est là, la techno. Je rappelle, chers amis, chers viewers, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Guillaume, c'est le moment. Hein. Je vois Bémos qui a dit, il n'a pas chômé le Guillaume, hein, dis donc. Effectivement, bonsoir Luzgar, bonsoir tout le monde. Je ne vais pas dire bonsoir tout le temps malheureusement, car vous voyez, je suis avec un invité de marque, hein. Il va nous parler de Quadroids, il est le développeur du jeu, ce n'est pas rien, je trouve que c'est vraiment une chance d'avoir carrément la personne Camille Lesbains dans le cambouis qui est là. Alors, quelle est la genèse de Quadroids, cher Guillaume? À la base, moi je suis assez fan de pas mal de jeux, et notamment de Céleste et de Super Meat Boy, donc je suis arrivé... J'ai pas fini le parcours tout à l'heure, mais en gros, j'ai fait un petit pas de côté par rapport aux jeux vidéo, et puis je suis arrivé au bout de 4 ans un peu en mode dépressif, et il fallait que je retrouve un milieu un peu plus créatif, donc je me suis relancé dans le jeu, et à ce moment-là, j'avais envie de refaire quelque chose d'assez simple et d'aller vers du platformer, et du coup, j'étais, en étant assez fan de platformer un peu exigeant, j'avais envie de partir dans cette direction-là. Sauf que y a des gens qui l'ont déjà très bien fait avant moi et j'avais pas forcément envie de refaire exactement la même chose. Et en parallèle, j'avais un peu cette idée en tête de, on le verra plus tard, mais d'avoir des personnages qui peuvent mourir et laisser des cadavres pour modifier le level design en fait des niveaux. Donc j'avais cette feature-là en tête, sauf que dans les premiers protos, ça marchait moyennement parce que finalement,
Il y avait qu'un seul perso, et en fait, le temps de mourir, le temps de revenir sur son lieu de mort et d'utiliser son cadavre, on n'utilisait pas assez la feature, et c'était hyper long et chiant. D'accord. Donc en fait, chercher un peu un moyen d'en faire mourir beaucoup plus. Et en fait, le moyen que j'ai trouvé, c'était de montrer beaucoup plus d'endroits où il pouvait mourir à la fois. Et donc c'était là que j'ai eu un peu l'idée des quatre caméras. On va y On venir, ça verra. c'est. Ouais. Ouais. Comme tu peux voir, j'ai lancé le jeu, hein, parce que c'est quand même le concept. Maximilien m'a dit, il faut que tu joues en même temps. J'ai du mal à jouer et poser tes couteaux en même temps. C'est sûr que ça va être un peu compliqué de parler et de jouer à ce jeu-là en même temps, mais bon. Mais oui, en gros, voilà, je voulais vraiment utiliser au maximum la feature de cadavre, et donc il fallait que j'ai beaucoup de personnages qui meurent à la fois, et donc j'ai eu cette idée de montrer plusieurs fois en fait différents lieux et différents personnages qui meurent en même temps. Et puis après, en fait, ça a un peu déroulé naturellement parce que, en fait, à partir du moment où on a quatre caméras et plusieurs personnages ensemble, on peut pas demander aux joueurs non plus de tout diriger. Donc, c'est à ce moment-là que j'étais un peu forcé de les faire avancer tout seul. Alors là, du coup, ça doit être un peu flou ce que je dis par rapport aux gens qui connaissent pas le jeu. J'avance, oui, j'avance. Mais voilà, en gros, on a quatre caméras, plusieurs Voilà. persos à la fois, et il faut tout gérer en même temps. Voilà, donc là, Alors ça, c'est le typiquement, tuto. c'est le tuto, c'est très simple. On a ces quatre écrans, on a le perso qui avance tout seul, là, Terry fait rien, et en fait, on a un bouton par écran qui va permettre d'interagir avec tous les persos qui sont présents sur cet écran. Quand il appuie, en fait, ça le fait sauter. Et par contre, la difficulté, c'est qu'il faut à chaque fois s'adapter et changer le bouton parce que c'est le bouton est lié à Oh. l'écran et pas au personnage. Voilà, donc là j'ai gagné un tour pour rien. Voilà. Du coup, vous êtes combien sur le projet alors? Du coup, beaucoup dans ma tête et tout seul en vrai. Donc, j'ai à peu près, en gros, j'ai à peu près tout fait sauf la partie sonore du titre. Ah ouais. J'avais pas encore. J'aurais voulu, en vrai, j'aurais voulu, mais j'avais pas les compétences pour le faire. Donc après, non, je me suis occupé du reste. Donc là, moi, j'ai joué 1 heure pour que les gens sachent dans le chat, pardon. Et en fait, c'est typiquement le genre de jeu easy to learn. C'est 4 boutons, hein. Un bouton par écran, mais hard to master, je trouve. Parce que ça se corse après. Ouais, ça se passe relativement vite. Il est caché derrière son micro. Il dit, ah, ça va piquer, les gars. Attention, ça va piquer. Bah, c'est le but. Ah, pour moi, comme je dis, les références de base, c'était Céleste et Super Meat Boy. Voilà, on n'est pas là pour faire un Mario, quoi. On est d'accord. On est d'accord. J'ai vu passer dans le chat alors BMO ce qui demandait, c'était une question que j'avais également. Donc, du coup, depuis combien de temps le jeu il est en développement? J'ai commencé en décembre 2021, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans en gros. D'accord. Donc là, tout ça, hein, c'est toi, là, Ouais, tout ça, c'est de moi, A à Z, hein, c'est ça qui est derrière. Donc là, moi, petite map à la Mario 3D World ou Mario World ou Super Mario 3 à l'époque, moi j'adore personnellement. Donc là, on a 4 écrans, les gens, avec juste les gâchettes, hein, 4 tableaux, hein. C'est ça, c'est les quatre boutons du dos de la manette. Et c'est pour l'instant, voilà, c'est les premiers niveaux, donc forcément, c'est relativement simple. Alors là, on voit quand même que tu as joué un petit peu avant parce que finalement, il y a quand même pas mal de gens qui arrivent à se planter de boutons sur les premiers niveaux. Et alors là, voilà. Là... Fait le meilleur temps possible. Pardon? Tu as fait le meilleur temps possible là déjà. Bah pour le moment. Ouais. Donc on voit, il y a le système de classement après. Hein, et je trouve que ça pousse à recommencer. Moi, combien de fois C'était le but. j'ai voulu recommencer, et puis c'est instantané. Hein. Tu meurs, tu repars à zéro tout de suite. Hein. Du coup, c'est quoi le pitch du jeu alors? Le pitch du jeu, c'est assez simple. En gros, alors le pitch compliqué, c'est un vaisseau qui était envoyé pour trouver une autre planète pour l'humanité.
donc qui était envoyé avec à son bord une IA pour le gérer et les quadroïdes qui sont un peu donc les persos, le perso qu'on voit là c'est un quadroïde qui sont un peu des robots qui permettent de terraformer des planètes. Ça c'était dans l'idée générale. Sauf que en chemin, l'IA traverse et le vaisseau traverse un orage magnétique, donc l'IA devient complètement cinglée. Ça devient une sorte de dictateur un peu complètement tyrannique et égocentrique. Et son but, ça devient de conquérir l'univers et d'utiliser ses quadroïdes comme des esclaves, quoi. D'accord. On va préciser hein, pour les gens que pour le moment, le jeu est full des maths, mais on ne sait pas, plus tard peut-être que. Hein, donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, ou ce qu'on n'a pas dit. C'est, voilà, pour le moment, je voulais juste préciser qu'il est full des maths. Hein. Non, Bemos, donc la musique, c'est pas Guillaume qui s'en occupait. Hein. On va y venir après, de toute façon. Non, c'est... Ouais. Au niveau du gameplay, comment t'es venu l'idée des quatre écrans parce que, et même les différentes mécaniques, hein, on va le voir, parce que vous l'avez vu au début, il y a plusieurs mondes. Là, on est au monde numéro 1, mais suivant les mondes, ça change. Ouais, les quatre écrans, comme je disais, c'était vraiment à la base, en fait, à toute base, c'était vraiment faire mourir le plus possible de quadroïdes en même temps. Sympa. Oui, alors, je consulte hein, pour ça. mais ça va, je me soigne, ça va bien. Et en fait, je me suis rendu compte que... Parce qu'à la base, dans ma tête, la feature principale, c'était vraiment l'utilisation des cadavres. Et en fait, non, c'est les quatre écrans. Mais c'est venu un peu par hasard. Alors moi, je suis un... Puis le genre de développeur qui n'arrive pas trop à se rendre compte en théorie si ses idées sont bonnes ou pas, il faut que je prototype très vite pour savoir. Donc ça, j'ai prototypé rapidement l'idée des quatre écrans et en fait, je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait un truc qui a eu du potentiel. Après, sur les features au fur et à mesure des niveaux, c'est un peu ma grosse peur, c'est que le joueur s'ennuie. C'est pas ce que j'ai ressenti. Ouais, bah tant mieux, parce que en fait, tous les jeux où il faut farmer, où on fait X fois la même action sans réfléchir, c'est le genre de jeu que j'aime pas spécialement. Et donc, j'avais pas envie que les gens ressentent ça en jouant à mon jeu. Donc, en fait, pour être honnête, au début, j'avais mis beaucoup trop de features en même temps. Et du coup, c'était vraiment beaucoup trop dur à apprendre. Ah, pour j'ai le pas jeu. Pris les bons boutons. Bon, j'ai gagné un voyage. Parce que là, voilà, là, c'est les deux en même temps. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais vous l'avez vu, chers amis, chers viewers, il y a la petite borne au début où le quadroïde il démarre et le checkpoint à l'arrivée, quoi. Bah voilà, là, je recommence. Hein, j'ai perdu, j'ai fait 7 et je voulais 6. On voit à gauche, il y a la borne et à droite, il y a le drapeau d'arrivée, quoi. Hein. Ouais. Et donc, oui, on se rend pas bien compte comme ça en regardant quelqu'un jouer. On se dit, c'est assez simple, il suffit d'appuyer sur un bouton. Mais j'invite les joueurs à tester, il y a une démo là qui est dispo. En fait, le cerveau mélange assez vite les touches. Ah, c'est horrible. Est-ce que tu peux mettre le lien, s'il te plaît, Steam, de la démo déjà pour ceux qui sont sur Steam, si c'est possible, dans le chat, s'il te plaît. Ah oui, je voulais te demander, bon, on en a parlé en off tous les deux, mais on te l'a dit, tu m'as dit, on me l'a déjà fait la remarque, j'avais pas pensé, mais on sent l'inspiration Lemmings quand même. Oui. Oui, et c'est marrant, c'est que effectivement j'y avais pas du tout pensé. Et en fait, je crois que c'est un ami développeur qui a dû me le dire pour la première fois. Et en fait, depuis, je me dis, oui, en fait, c'est tellement évident. Mais c'est un jeu auquel j'avais joué quand j'étais petit, je l'avais sur Game Boy, moi. Et donc je pense que voilà, inconsciemment ça a dû m'inspirer, c'est juste que je m'en suis pas rendu compte au début. Moi je trouve l'inspiration, je trouve que c'est un compliment, mais parce que ça rend bien et c'est... Je le prends bien. Mais en plus dur, parce que Lemmings t'as juste un tableau à gérer avec une multitude de personnages, alors que là non quoi. Merci Yé d'avoir mis la démo Steam pour les gens qui sont sur Steam, hein, vous pouvez y aller. Je trouve le système, comme je disais tout à l'heure, je trouve le système de scoring assez addictif finalement, t'as envie de refaire et c'est instantané quand tu rates, il n'y a pas tant de chargement, c'est ça qui est vraiment très très bien quoi. Et
Du coup, alors, les futurs... Est-ce que tu peux nous... Parce que là, aujourd'hui, vous le savez, je suis quelqu'un de bien, je suis sur Mac. Mais aujourd'hui, ça fout la merde. Parce que il y a des futurs très spécifiques sur Twitch que Guillaume va vous expliquer dès maintenant. Mais qu'on... vous ne pourrez pas faire dans le chat aujourd'hui, malheureusement. J'en suis désolé. Guillaume, nous t'écoutons. Ouais. Bah, en fait, on a rajouté... Enfin, j'ai rajouté, du coup. Et on, mais... C'est... On... Par rapport au personnage dans ma tête. On, c'est toi, voilà, oui. on, c'est moi. Ouais. En fait, il y a deux features Twitch qui permettent d'interagir avec le jeu via le chat. Donc la première qui est assez simple, c'est il y a une commande en fait qui va permettre aux viewers de, en rentrant cette commande, de mettre leur nom sur le prochain quadroïde qui va apparaître. Donc après, à charge du streamer d'essayer de le faire survivre. Et la deuxième feature, c'est de pouvoir en fait de pouvoir interagir directement avec les écrans. Donc il y aura une commande par écran et les viewers pourront taper cette commande dans le chat et ça fera sauter, enfin comme si le streamer appuyait sur les boutons. De l'écran. Donc après, je pense sincèrement que ça va être un beau bordel à maîtriser, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Faut se rappeler que t'as des gens qui ont fini quand même Pokémon avec les viewers à l'époque, il y a quelques années. Donc moi, j'ai trouvé, je regrette pour le coup, c'est la première fois de ma vie que je regrette d'être sur Mac, mais je trouve que ça aurait été assez fun de pouvoir faire tester ça aux gens aujourd'hui, quoi. Ouais, carrément. Est-ce que tu avais des futurs dans le jeu, que finalement t'as renoncé? Tu t'es dit, oh là, c'est un peu trop hardcore. Énormément. En fait, j'ai dû faire. Là, dans le jeu, il y a à peu près 130 niveaux. J'ai dû en designer presque 500, je pense. Avec tout un tas de features que j'ai codées, jetées, reprises, rejetées. Enfin, ça a été beaucoup d'itérations et de tests, de playtests pour se rendre compte de ce qui marchait, ce qui marchait pas. Je voulais vraiment avoir plein de quadroïdes différents avec plein de pouvoirs différents. Ça, au final, j'ai limité. Enfin ouais, il y a vraiment beaucoup, c'est impossible de... Même moi, je me rappelle pas de tout, je pense. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Il y a même des quadroïdes qui auront des pouvoirs par la suite, alors. Ouais. Ok, parce que moi, j'ai pas été aussi loin, visiblement. Déjà, on le voit, ça commence à se corser, les quadroïdes démarrent pas au même endroit, pas l'un en dessous de l'autre, ça se complique, quoi. Parlons des graphismes un peu. Dès le départ, tu savais ce que tu voulais ? Ouais, le pixel art c'était. Alors, c'est un style que j'ai toujours aimé parce que, comme je disais, moi les Monkey Island, j'ai rêvé avec. Enfin, quand je voyais les animations je parle des tout premiers, hein, vraiment, j'avais l'impression d'être dans des dessins animés et tout. Enfin, j'ai grandi avec le pixel art, ça, voilà, ça me parle. Et en plus de ça, je sais pas trop dessiner. Donc, il fallait quelque chose qui soit accessible aussi. Alors au final, on se rend compte que parce que j'ai appris le pixel art en faisant Quadroids, donc voilà. On se rend compte finalement que c'est j'avais tendance au début à réduire le truc en me disant parce que je sais pas dessiner, je vais faire du pixel art. En fait, il faut quand même bien mettre les mains dedans pour réussir à faire des trucs corrects. Même au niveau des animations, enfin, j'ai appris plein de basiques d'animation. J'ai appris sur le tas. J'ai fait au mieux que je pouvais en essayant de. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Personnellement, j'aime beaucoup le style graphique. Que tu lui as donné, j'aime beaucoup, quoi. Là, je voulais pas te couper, mais on voit que c'est un niveau visiblement spécial. Ouais, c'est des petits niveaux bonus que tu débloques avec des collectibles. T'as des collectibles que t'as récupérés avant, les ouais. Quarks, là, on les voit flotter un peu dans le... La petite tête sur l'écran haut à droite, hein, pour les viewers, voilà. Et donc une fois que tu l'actives, en fait, faut récupérer les trois espèces de larmes bleues là qu'on voit sur l'écran en haut à droite et en bas à gauche. C'est du bonus hein, sur les niveaux, c'est du bonus pour rajouter une petite difficulté pour ceux qui en veulent plus. Mm.
Et après, les niveaux bonus que tu débloques avec ça, c'est principalement, en fait, tester un concept de... Rapproche-toi bien de ton micro, s'il te plaît. Ah ouais, bah, je suis collé. Hein. Ah d'accord, autant pour moi. Il me semblait que ta voix était en train de partir, excuse-moi. D'accord. Faut manger le micro. du coup, on me demandait... Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Dans le chat, on me demandait là le moteur graphique, c'est un moteur graphique maison ? Non, c'est Unity. Unity, d'accord. Ouais, tout est fait sur Unity, et pour les graphismes, j'utilise Sprite, pour ceux qui... Ok, je connais pas du tout. Ah, et voilà, alors là, voilà, là, typiquement, j'ai... Ah ! Pardon, excusez-moi, je m'énerve. Ah ! Ah non, mais j'appuie pas sur la bonne touche. J'appuie sur R1 depuis tout à l'heure. Et oui, c'est exactement... Voilà, donc là, ça m'énerve. Moi, je recommence. Hein. Je suis désolé. Hein. Je veux le perfect. C'est horrible. Et oui, en fait, typiquement, là, tu vois, bah, en tant que joueur, on est tellement habitué à avoir un bouton de saut pour son personnage que là, quand tu es sur le R1, tu vas continuer à appuyer dessus, tu vas regarder l'autre écran, tu te dis, je regarde bien l'autre écran, mais pourquoi il avance plus, quoi. Bah c'est... En fait... C'est complètement ce qui vient de m'arriver. Ouais. Tout le monde, hein. Ah non! Alors, je crie beaucoup, faut savoir quand je rate. Allez! Oh oui, je l'ai eu! Pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. Tant que tu ne joues pas ta manette, ça va. C'est une victoire perso, là, tout va bien. Pourquoi 4 écrans? C'est original quand même, des fois, non? D'avoir des écrans. Et puis, même des fois, t'as des écrans, on l'a vu tout à l'heure, qui sont recoupés dans l'écran, coupés en plusieurs petits bouts, en plusieurs parties. Ouais, en fait, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'était plus des niveaux de zoom différents. En fait, faut vraiment le voir comme 4 caméras qui sont posées à différents endroits d'un level design, en fait. Une des parties que le joueur, enfin, une des choses que le joueur va devoir résoudre pour pouvoir avancer dans les niveaux, c'est justement comprendre comment s'imbriquent un peu ces 4 caméras. D'accord. Ok. En général, là, on voit il y a deux parties de niveau bien séparées parce que donc les couleurs sont là pour aider justement pour donner un peu d'indice aux joueurs et donc là, si on regarde un petit peu en détail, on va donc déjà on voit les couleurs. Après, on va essayer de voir sur en haut à droite, tu vas voir que le sol va continuer sur l'écran en haut à gauche, mais c'est pas. C'est pas au même niveau, donc forcément, ça crée un peu de confusion chez le joueur, quoi. Un peu ou beaucoup, ça dépend des fois. J'ai perdu un petit copain. Et du coup, jouer avec les niveaux de zoom, ça rajoute encore de la confusion. En fait, t'es un torsionnaire. Et donc, oui, là, c'est... On peut le dire aujourd'hui. Je sais pas, en fait, je crois qu'il y a, déjà beaucoup de gens qui ont playtesté, qui m'ont insulté, donc bon, bah... Après, on s'y fait, hein. Ah, mais je les comprends, hein. Je... Allez, je leur en veux pas. On me demande dans le chat, j'ai vu ta question, Bémo, on la gardera pour après, pour la fin. Donc du coup, et au niveau du design, ça te prend combien de temps pour designer un niveau ? En fait, c'est assez variable. Alors souvent, quand je design un niveau, ça va partir d'une idée un peu basique de... Tiens, si j'enchaînais les 4 écrans comme ça, ou alors là j'aimerais que le joueur il laisse un cadavre à cet endroit-là et puis qu'il l'utilise pour sauter dessus et pour atterrir plus loin. Donc ça partait d'une idée assez basique. Mais ça c'est horrible ça. Moi la première fois quand j'ai mon perso est mort, j'ai dit non, je recommence. Puis à un moment donné, j'ai compris que malheureusement, typiquement là, voilà. J'ai pas le choix, il doit... Adieu. Après, pour rappel, derrière, il y a une IA tyrannique qui considère les quadruids comme des esclaves. Donc bon. Ouais, mais bon. Et en vrai, une fois qu'on y a joué un petit peu, on commence à ressentir de moins en moins d'émotions. Donc ça devient plus facile de les faire mourir. C'est horrible. Ce que je veux dire. Mais ah non. Mais, oui, enfin, mais c'est ce qui rend en fait, le but, c'était de donner au joueur la possibilité de modifier son level design et de comprendre comment le modifier pour atteindre la sortie. Donc. Et est-ce que tu as des niveaux que tu as dit non, là,
C'est trop tendu là. Si je le mets, je vais me faire vraiment insulter par les gens, ou t'as mis vraiment nos limites. Je veux dire, tu t'es pas bridé quoi. Je me suis bridé parce que j'ai déjà fait des niveaux que j'arrivais pas à finir, donc je suis quand même plutôt bon à mon jeu, vu que ça fait 2 ans que j'y joue. Et du coup, quand j'arrive pas à finir un niveau, c'est que en général, il est vraiment beaucoup trop dur. Donc ceux-là, je l'ai jeté assez vite. Et oui, du coup, j'ai même pas répondu à la question, mais en gros, ça pouvait prendre une demi-journée pour faire un niveau si l'idée de base fonctionnait directement. Je parle d'une V1 du niveau hein, sans décor ouais. Et juste voilà, juste en bloc quoi. Donc ça pouvait prendre une demi-journée. Après, des fois j'avais l'idée mais j'arrivais pas à la faire fonctionner, et donc là je pouvais m'acharner 2-3 jours dessus pour la faire fonctionner comme je voulais. D'accord. Après, c'est l'avantage quand on est tout seul, c'est que finalement, s'il y a un truc qui marche pas, on s'en prend qu'à soi-même et on n'a pas à demander à quelqu'un, désolé, mais ton boulot, on va devoir le jeter ou le refaire. En fait, c'est tout. Mon taf, il marche pas, je le refais tout de suite et puis je le réimplémente tout de suite en jeu et c'est assez direct. Ça, c'est assez agréable. Merde, ils sont morts. L'instantanéité du truc. Putain. Pardon, c'est hyper dur. C'est hyper dur de discuter et de se concentrer sur le jeu en même temps. C'est hyper dur. Ouais, je comprends. Et je compatis. Une question dans le chat, je la trouve très vraie, hein, de BMOS qui dit « Guillaume, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces quadroïdes pour les maltraiter comme ça ?» Non, mais en vrai, je les aime beaucoup. Je les trouve drôles. Mais bon, après, on a un but. Voilà, c'est pour... The Greater Good, quoi. C'est il faut conquérir l'univers, donc à un moment, voilà, on conquiert pas un univers sans casser des quadroïdes. J'ai raté. Oh non! Ah pardon, je crie, excusez-moi. Ah, j'ai été trop mauvais. On recommence. T'as dit que t'avais créé 130 niveaux pour le jeu. On est d'accord? Ouais. T'en avais créé combien au total à la base? T'en avais d'autres? Ouais, au fil de la production, j'ai dû en faire 400-500, je pense. Ah oui, donc tout à l'heure, on me demandait oui. dans le chat, est-ce qu'il y aurait une version GOTY plus tard ou des DLC qui arriveraient un peu plus tard? C'est ce que j'avais noté comme question. Du coup, c'est possible? Tout est possible. Ah, on te perd, Guillaume. Guillaume? Ah. Je me penchais. On a perdu Guillaume. Là c'est mieux. Voilà. Non. Ouais. Mon micro s'en va en fait, c'est lui qui... Ah ouais. Mais ça va aller, je vais le tenir. Du coup, oui, c'est toujours possible d'avoir d'autres niveaux. En fait, il y a plein d'idées qui ont été jetées, mais il y a encore... moi je suis persuadé qu'il y a encore énormément d'idées à trouver avec déjà juste les features qui sont en place et après moi créer d'autres features pour agrémenter ça me dérange pas. Après là l'objectif principal ça reste de sortir le jeu, de le sortir dans les bonnes conditions, de s'assurer que tout soit ok, qu'il n'y ait pas de bugs, que les gens s'amusent avec et pour la suite on verra un peu plus tard je pense. D'accord. Je suis désolé, c'est extrêmement dur en fait. Je pensais pas que ça allait être aussi dur de maximum dire ouais, tu faut que tu joues au jeu, tu montes le jeu et tout. Ok, mais discuter en même temps, c'est hardcore en fait. Ouais, tu dois déjà diviser ton cerveau en 4 et donc là ça fait en 5 avec moi quoi. J'aime beaucoup la patte graphique qu'on nous dit dans le chat machin truc. Effectivement, je suis totalement merci. D'accord. Il est très très beau. Au niveau de la musique, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas toi qui l'as géré. En fait, à la base, je voulais la faire. En amateur, je fais un peu de piano, un peu de guitare à côté. Et du coup, je m'étais dit, avec toute l'énergie créative que j'avais au lancement du studio, je me suis dit, je vais tout faire et je vais faire la musique aussi. Bon, au final, je suis loin d'avoir les compétences pour le faire, donc j'ai vite abandonné l'idée. Et puis, j'ai un ami d'enfance qui est musicien, qui bosse à Bruxelles. Là. Je lui ai parlé du concept du jeu, ça lui a plu, et puis du coup, en fait, de fil en aiguille, il a commencé à travailler sur le projet.
Et puis ça a donné ça. Enfin, moi j'étais super content de ce qu'il a fait. J'aimais déjà beaucoup ce qu'il fait de ce qu'il fait de son côté. Et je trouve qu'il a fait un super taf sur Quadroid. Ouais. Après, je suis certainement pas très objectif là-dessus, mais en tout cas j'aime beaucoup toutes les compos qu'il a pu faire pour le jeu. En fait, je la trouve tantôt hypnotique, pardon, et par moments stressante quand même. Donc, Ouais, et puis ça s'améliore pas avec les autres mondes, d'accord. sans trop souhait. Ah, on a débloqué là un niveau secret. Est-ce que vous avez des questions, les gens, dans le chat? N'hésitez pas. Rendez-nous Guillaume. Oui, il est revenu, c'est bon. Si vous avez Toujours là. des questions, on y va. Je vais remonter un peu le chat pour voir mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Alors, je vois que ça a téléchargé la démo, ça nous dit. Récupère les larmes, ça pourrait te servir pour pleurer plus tard. D'accord, effectivement, pas si simple, mais fun et addictif. Le jeu est mis sur la concentration et les réflexes, c'est vrai, hein. Tu confirmes, Guillaume? Ouais, Peut-être que tu ouais. es. Surtout la concentration. D'où, c'est pour ça que tu es en train de dire que je suis exceptionnellement mauvais. Normalement, c'est pas mon cas. Non, au contraire, enfin oui, du coup, là, t'es quand même déjà très bon, je trouve, en assurant le stream en même temps. D'accord. On me dit dans le chat, gros coup de cœur pour la bande son, effectivement. Bonsoir, Homme Lotus. Est-ce qu'il existe? Ah oui, est-ce qu'il existe un mode coop? Il demande au multi. Oui. Alors c'est que du local, mais on peut en gros se partager les écrans de 2 à 4 joueurs. Et puis à deux joueurs par exemple, ça peut vraiment être un joueur qui dit bah moi je m'occupe que d'un seul écran et l'autre joueur va s'occuper des trois restants quoi. C'est adaptable et donc ça va de 2 à 4 joueurs. Est-ce Alors que forcément c'est plus simple et c'est pas forcément. t'as pas augmenté la Enfin moi difficulté c'est. du coup dans ces cas-là? Non, 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 c'est la même difficulté. Alors du coup, voilà, le seul petit truc, c'est qu'il y a un leaderboard pour les niveaux et donc le leaderboard, enfin, les scores ne comptent pas au leaderboard pour quand on est en coop, quoi. Putain, trois joueurs là. J'avais oublié ça. Quatre. Ah ouais, là-haut. Ils sont tous morts. Ils Pas sont grave. tous morts. Bah oui! Tu es ignoble, Guillaume. Je ne savais pas que tu étais aussi ignoble. Et moi non plus, hein, je me suis découvert Des envies Vraiment. de meurtre. Non, mais je pense que c'est un peu cathartique quand même. Ça permet justement d'évacuer tout ça. On me demande dans le chat, est-ce qu'il y aura des mises à jour plus tard, hein, bien sûr, pour des niveaux supplémentaires ou d'autres modes? Bah, comme je disais, c'est pour l'instant, l'objectif c'est vraiment sortir le jeu. Parce que là, bah, voilà, tout est prêt. Et j'ai très très envie de le sortir. Et après, bah, plus tard, ça va probablement dépendre aussi du succès du jeu pour voir si on fait si on donne suite ou pas, quoi. Moi, Alors, j'adorerais faire ça. J'ai encore plein d'idées, mais faut pouvoir les faire aussi. on demande dans le chat, le prix de sortie sera le prix final du jeu? C'est-à-dire. Oui, j'avoue que j'ai pas très bien compris non plus. Si tu peux développer, Mangamania, ta question, j'arrive certainement après la bataille, mais combien de temps pour développer et combien de personnes? Donc Guillaume est tout seul à développer le jeu et d'où t'es venue l'idée? Oui, effectivement, la manga, machin truc, tu arrives effectivement après la guerre. C'est une après-midi que tu as dit, hein, pour quand tu avais l'idée du niveau en tête. Pour rappel, Guillaume, ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, entre une demi-journée et 2-3 jours. Voilà. Et pour l'idée de d'où t'es l'idée du jeu, du venu du jeu. Donc c'est un puzzle game, hein, vous l'avez compris, hein, chers amis, chers viewers. Hein, Et oui, d'où m'est venue l'idée, bah, comme je disais tout à l'heure, l'envie de sacrifier énormément de personnages mignons. voilà, parce qu'il a l'air gentil, Guillaume, comme ça, mais non, quoi. Mais non, C'est. non. Bah non. Bah non, on cache tous quelque chose derrière masque. Hein. Là, c'est voilà, là c'était le bouton L1. Ah! Et C'est oui, bon. donc là, bah, alors, encore plus confusant. Au début, tu démarres avec tes deux quadroïdes sur un même écran. Le même bouton les fait sauter en même temps. Et juste après, bah, ils arrivent sur deux écrans différents. Donc il faut tout de suite se réadapter pour pouvoir les faire sauter et éviter les pics. Ouais, c'est chaud.
C'est chaud, c'est chaud. Hein. Adapter le jeu à tous les supports a été simple ou ça a été un casse-tête? Et six prises de tête, quel support s'est montré le plus récalcitrant? Bonne question, ça. Alors, bonne question, mais je vais pas pouvoir répondre à tout parce que, en fait, on est passé par une. Enfin, quand je dis on, c'est l'éditeur et moi. On est passé par. Par une société qui. Donc, Zero Games, un studio qui s'est occupé du portage sur toutes les consoles. Donc, c'est pas moi directement qui ai fait le portage. Moi, je vois que ma manette a un drift. Je vais changer de manette, je le découvre. Excusez-moi, hein, vous allez à du direct, n'est-ce pas? Voilà. Bon, je pourrais l'acheter celle-là, du coup. D'accord. Des excuses. On me dit dans le chat que c'est un prix vraiment raisonnable, apparemment, hein, Mangamania. Je trouve qu'il n'est pas cher pour sa sortie à 12€, 11,99€ sur Switch. Bah, ouais, let's go. Ouais, c'est ça, let's go, hein, Mangamania. Hein. Le fameux coup de la manette. Oui, exactement. Est-ce que, n'hésitez pas les gens, on est dans l'instant où on lit les questions, hein, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que après tu veux peut-être que je switch? Moi j'avais de... Ah oui, alors là, hop, en même temps là. Je passe sur le monde numéro 2 peut-être? Oui, on peut montrer un peu un autre environnement. Hein. Après ça va être encore plus dur pour toi de suivre. Je remets ma question. Est-ce que Guillaume peut nous donner la durée de vie du jeu approximatif? Très bonne question, BMOS, effectivement. Je dirais entre 6 et 8 heures. Ouais, entre 6 et 8 heures en ligne droite, là, sans obtenir toutes les médailles et sans faire forcément tous les niveaux bonus. Après, ça va dépendre du type de joueur que vous êtes. Et puis voilà, après forcément un peu plus si vous essayez de battre vos propres scores et tout, mais si c'est en gros 6 et 8 heures ouais, pour arriver au bout. C'est... Et après j'ai pas compté le nombre de manettes cassées pour arriver au bout non plus. Donc. Ça tu prends pas en charge, on est d'accord? Non, je rembourse pas, désolé. Ah! C'est chaud, au-dessus, ok. Ah, ça travaille bien les yeux aussi. C'est horrible. C'est là. Ouais, c'est dur. Hein. Non, c'est très intéressant, effectivement, comme dit BMOS. Bon, j'ai beaucoup de mal à faire les deux en même temps. Hein. J'en suis désolé. Ah oui, mais là, du coup, il peut pas y arriver. Il est tout seul. Si, bah, si. Ah si, maintenant qu'ils sont tous morts. Oui, c'est quand même fait pour. Hein. C'est ça, hop. Ou alors je serais vraiment en panique si là tu découvrais que c'était pas possible. À 3 jours de la sortie du jeu, puisqu'on rappelle déjà, il arrive le 22 février. Ouais. Mince, c'était l'autre touche, voilà, j'ai raté. Qui a servi de bêta-testeur, on me demande. Alors le tout premier bêta-testeur, c'est un ami proche qui... Enfin, mon micro s'en va. Et vous êtes toujours ami proche? Oui. Il t'en veut pas trop? Pas tellement, non. Un petit peu au début, mais en gros, voilà, lui, il est. Alors lui, il est plus dans le jeu de société, mais du coup, il a un regard de game designer quand même. Donc c'était la première personne qui, au final, a testé et m'a donné confiance dans le projet aussi, parce que bon, je suis pas quelqu'un de, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, on va dire. Ça, oui, simplement. T'as vu en fait que ton jeu prenait forme et surtout que ça plaisait, quoi, je veux dire. Ouais, que ça plaisait pas que à moi en fait. Et voilà. Donc ça c'était hyper important au démarrage. Après, assez vite, j'ai fait tester à d'anciens collègues en fait d'une société où j'étais. Donc j'ai pris un petit pool de joueurs à ce moment-là. Et puis bah après, au fur et à mesure, j'essayais d'économiser quand même mes amis pour avoir à chaque fois un regard neuf en fait, parce que une fois qu'on a fait un premier test sur le jeu, bah, on est très frais, enfin le retour est moins frais, donc j'ai utilisé un peu tous mes amis au fur et à mesure de la prod pour, d'accord. Pour faire les playtests, et puis après on est passé par un moment, on est passé aussi par une société qui est spécialisée là-dedans pour avoir vraiment des retours plus précis et plus
plus documenté en fait pour voir vraiment les points qui posaient problème. Donc, voilà. C'était hyper important sur ce type de jeu d'avoir beaucoup de retours. Oui, parce que le degré, je pense, la difficulté, c'est de doser la difficulté, quoi que ce soit. Comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, vu que tu doses ton jeu à mort, pour le coup, t'es vraiment fort maintenant, et du coup, tu as du mal à te rendre compte si les niveaux sont difficiles ou pas. Ouais, souvent les premières versions des niveaux que je fais sont toujours atroces, donc il faut à chaque fois, et à chaque fois, on me disait, bah non, mais là, c'est trop dur et tout, et moi, je disais, bah non, c'est simple, il suffit de faire ça, et puis d'aller là, et puis c'est bon, c'est réglé. Et oui, ça j'ai dû beaucoup, mais c'est normal en fait, moi j'avais le nez dedans, je connais le jeu par cœur. En plus, j'ai pas la composante vraiment puzzle qu'a le joueur, parce que forcément, je sais par où il faut passer, je sais comment atteindre la sortie. Donc j'avais pas cette difficulté en plus et qu'il fallait que je prenne en compte à chaque fois. Donc ouais, ça c'était vraiment je pense le plus dur hein, de doser la difficulté et de se rendre compte, de se mettre à la place d'un joueur et pas de jouer en tant que moi, quoi. D'accord. On me demande aussi qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans le développement, la partie graphique ou le level design? C'est machin truc qui demande. Alors c'est pas la même difficulté, mais la partie graphique, parce que comme je disais, j'ai appris sur le tas avec Quadroids. J'avais jamais fait de pixel art avant, donc ça a été beaucoup de travail, mais enfin voilà, c'est du travail et pas forcément des questionnements, on va dire. Et après le level design, par contre, c'est énormément de questionnements, d'itérations et beaucoup, oui, enfin, disons que quand je finissais une anime ou que je finissais un décor, je me disais bah ok, ça va être à peu près ça, je peux peut-être faire un peu mieux, mais voilà, ça va rester dans cette idée là. Quand je finis un level design, c'est toujours un petit peu oui, mais est-ce que ça fonctionne, est-ce que le joueur il va s'amuser, est-ce que ça va pas être trop facile, pas trop compliqué, enfin voilà, il y a plus d'autres questions où des fois c'est dur de répondre. Très bien. Alors là, c'est une question, tu réponds pas, attention, on est bien d'accord, c'est pas moi, c'est le chat, mais je la trouve intéressante, mais elle peut déranger, donc si tu n'es pas forcé de répondre, bien sûr. Comment se passe le démarchage auprès des éditeurs? Pas trop compliqué en tant que développeur solo? Si, tu peux même très compliqué. Parler de ta rencontre avec Just For Games, enfin maintenant, Maximum Entertainment, si tu veux. En fait, globalement, c'est dur, surtout en étant tout seul, je pense. Enfin, le seul soutien qu'on a, c'est ses proches, forcément, et puis soi-même. Faut être solide. Et en gros, ça m'a mis 6 à 8 mois à trouver un éditeur. J'ai commencé en décembre 2021, j'ai commencé le studio, j'ai fait un proto. Et puis tout un dossier pour justement démarcher en à peu près fin février 2022, il était prêt. Et puis là, j'ai commencé à démarcher. Donc, en gros, je me suis déplacé. Donc je suis allé à GDC à San Francisco. J'ai essayé de rencontrer des gens là-bas, mais super compliqué parce que français avec un anglais approximatif et hyper... angoissé. Oui. Après, j'ai envoyé beaucoup de mails. Des fois, j'avais des réponses. Et puis, au bout de 2 à 3 mois d'aller-retour, les gens me disaient « Bon, au final, on va juste te proposer de sortir le jeu avec notre nom dessus. » Enfin, je caricature un peu, mais c'était un petit peu ça, quoi. Et puis, on va, par contre, financièrement, on t'aidera pas. Oui, bon. Ouais. Ça m'intéresse pas forcément. Et puis, en fait, j'ai eu un peu... après, c'était un petit peu un coup de chance. Donc, il faut savoir que le jeu est co-édité. Donc, il y a Just For Games et Fablou qui co-édite le jeu. Et en fait, moi, le premier éditeur que j'ai rencontré, c'est Fablou. Et c'était un peu un coup de chance parce que, en gros, je suis allé à la Gamescom avec le programme de Business France. Et ils m'ont proposé de pitcher le jeu à une soirée pré-Gamescom. Et d'accord. En fait, j'ai. Alors,
J'étais un peu stressé de le faire, mais Normal. du coup, quitte à le faire, je me suis dit bah autant mettre toutes les chances de mon côté. Et en fait, j'avais préparé une présentation vraiment en mode pixel art animé avec enfin, je me représentais en pixel art avec tout, et j'avais fait beaucoup de storytelling autour de la création du jeu, de qui j'étais, de voilà. Donc j'avais fait vraiment une petite histoire animée en pixel art d'une dizaine de minutes pour pitcher le projet. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré Michael Sportouche, qui est le président de Fabloo, et qui très vite en fait a adoré le concept du jeu et m'a soutenu, et c'est par la suite qu'on a rencontré Just for Games en fait. D'accord. Je suis en train de mourir en continu, c'est une horreur. Je vois qu'on te remercie dans le chat parce que on parle beaucoup de développement, mais rarement du parcours du combattant pour se faire éditer. Donc merci à toi et de répondre pas en de toute rien. Franchise. Est-ce que on a d'autres questions? Oui, oui. Tu voulais dire quelque chose, Guillaume? J'allais dire, j'ai rien à cacher en fait. Et puis en plus, tous les gens que j'ai rencontrés au fil de ce parcours, ça a été vraiment que des super rencontres. Donc, ça a été dur, mais au final, c'était une aventure de fou, quoi. Donc, ça, c'est des petites photos à débloquer au fur et à mesure. D'accord. Un petit collectible en plus. J'aimerais ressortir tout court, mais option peut-être? Non? Ah voilà, retour au menu principal. Je voudrais vous montrer le niveau 2. Ouais. 4h34 hein, pour faire le premier monde, hein, les gens. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Bon, j'ai dit 6 à 8 heures, hein, il te reste beaucoup de temps pour finir. Et là voilà, changement de décor, nouvelle ambiance. Et nouveau style musical d'ailleurs aussi. Ouais. Ouais, en gros, on a un thème principal par monde. Donc il y a 5 mondes. Ah, oh, ça commence bien. Principaux. Oh putain, oh, il est mort en bas. Oh. Voilà, là c'est très doux, mélancolique. Ok, on passe. Mais t'es obligé de dire, bon, parce que lui, il va pas le choix, quoi. Après, là, tu peux le faire en mourant une seule fois. Hein. Ah, je dis ça. Je fais ce que je peux, hein. Excuse-moi. C'est hyper... Non, j'ai sauté trop tôt. Tu as fait essayer le temps du développement, les premiers niveaux à DB. Oui, il a répondu tout à l'heure, Jimbo. Il a son meilleur ami qui a été le bêta-testeur. Ils sont toujours amis, ça c'est la bonne nouvelle. Ils auraient pu ne plus être amis. Hein. Il aurait pu dire merci Guillaume, à cause de toi, j'ai très mal dormi plein de fois. Je meurs, c'est horrible. Puis il y a cette envie de collectionniste de récupérer les petits triangles là. Ouais, les quarks. Ouais. Mais c'est... Au final, sur un premier run, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Alors même sur le run numéro 20, hein, je vais pas te mentir. Hop. Donc ouais, on a pas parlé, mais je pense que les gens l'ont vu, mais c'est les bains d'acide, là, ça crée des cadavres qui sont temporaires, donc ça force aussi le joueur à se synchroniser et à utiliser ses quadroïdes en même temps. Ou même, on a vu tout à l'heure sur les pics, dans le premier monde, c'était ça finalement la future. C'était les pics avec les quadroïdes qui vont mourir dessus, et on s'en sert, on leur marche dessus après, c'est horrible. On parle beaucoup d'accessibilité dans le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a des options pour rendre le jeu facile d'accès? Alors malheureusement, pas particulièrement. Enfin, il y a 4 boutons, mais j'ai pas de mode pour le daltonisme par exemple. J'ai pas énormément poussé là-dessus. Alors après, c'est ma faute. Faudrait certainement. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui font ça? Je pense pas. Hein, donc. Ouais. Bon, après, on veut toujours faire au mieux et voilà. Mais clairement, oui, ça peut être un des points qui sera à améliorer si. Si besoin. Attends, mais sur la case R2, il est mort mon bonhomme là. Mon quadroïde là. En fait. Ouais. Oh, ouais. Et donc là, vu que j'ai mis trop de temps, le temps qu'il le bouffe, bah, il va arriver, lui, il va le bouffer aussi. Bah ouais. Heureusement, t'as un deuxième quadroïde. C'est quand même ouais, bien. Ouais, mais regarde, il faut que je me dépêche du coup. Oui. Non!
Ah, ou alors il fallait que je prenne celui du haut, c'est ça? Ah oui, quand je parlais du deuxième, c'était celui du haut. Ah. Ouais, mais j'ai raté. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Après, tu vois, il faut souvent repérer un peu les... Sur l'écran en haut à gauche, tu as une sorte de bac qui te permet de temporiser ton quadroïde. Ça te permet de gagner un peu de temps sur le parcours à faire. Et il y en a régulièrement dans les niveaux qui permettent justement de... Ah putain. Là, t'as le temps, là. Faut juste pas se tromper de bouton, quoi. Ah! C'est mort. Ah! Non! Au moment où je suis arrivé. Allez, c'est bon, ça passe. Ah! Oh! Bien joué le changement de bouton, j'y ai pas cru. J'avoue que... D'autres idées, envie de faire des jeux dans le futur, d'autres types de jeux ? Ça, à la réflexion, j'imagine, c'est un peu tôt encore, non ? C'est un petit peu tôt. En vrai, pendant la production, j'ai un peu freiné les idées qui venaient parce que je devais me concentrer sur ça. En vrai, idéalement, moi, mon but, c'est vraiment de vivre de ça et de continuer à faire des jeux et à essayer de proposer des expériences originales. C'est vraiment ce qui m'attire, même moi en tant que joueur, en fait, d'aller chercher justement ce qui sort un petit peu du lot. Et bah, la scène indé, elle est géniale pour ça. Heureusement qu'il y a ça. Donc oui, si c'est possible, si j'arrive à continuer. C'est tout ce qu'on te souhaite. Tant que je pourrais faire du jeu vidéo, j'en ferai. C'est tout ce qu'on te souhaite. Machin truc disait pour la question tout à l'heure de l'accessibilité, c'était pas une critique, hein, mais juste une question, bien sûr. Hein. Bien sûr, je l'ai pas pris comme une critique, mais c'est quelque chose dont j'ai conscience et où j'ai conscience qu'il n'y a pas forcément tous les efforts faits sur Quadroid. Donc, ah ouais, il y a encore la bestiole là-bas, là. Oh merde, il est mort. C'est dur. Ouais, celui-là il pique un peu. Alors pour ceux qui ont téléchargé la démo, c'est le dernier niveau de la démo qui est débloqué une fois que vous avez passé la fin de la démo. Donc vous pourrez l'essayer aussi. Et effectivement, c'est ça qui est assez marrant avec ces niveaux-là, c'est que les réflexions se font étape par étape et à chaque fois qu'on débloque un obstacle, il y en a un nouveau qui se présente. Et qu'il faut résoudre, et donc il faut à chaque fois réfléchir. Mais en fait, sur la plupart des gens que j'ai vu tester, quand ils arrivent au bout du niveau, il y a un tel sentiment de satisfaction que... Ah oui, c'est hyper plaisant, quoi. Je suis d'accord avec toi, et ça me fait penser, au niveau de la satisfaction, ça me fait penser, tu sais, quand tu bats un boss dans Dark Souls. Tu vois, ouais. C'est dur, mais c'est toujours la marche au-dessus. Bah là, c'est un peu pareil. Il faut réussir à monter la marche. Merci Yéyé de remettre il y a tous les liens dans le chat, hein, les gens qui veulent aller télécharger la démo sur le support de votre choix. Car je le rappelle, le jeu arrive le 22 février sur Steam, PS4, PS5, Xbox One et Series, et Switch, dans un premier temps en démat. Je pense qu'on a tout dit, en espérant qu'il y ait de la bonne visibilité sur les stores. Bah, y a pas de raison, hein, clairement. Et puis, moi j'en suis convaincu. Est-ce que Guillaume, avant de te libérer, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, après s'il y a encore des questions, moi je suis... Parce que moi j'ai tout mon stock de questions qui est passé malheureusement, donc je n'en ai plus. Si vous avez d'autres questions, les gens, n'hésitez pas. Moi je suis conquis par le jeu, enfin il me conquis. Donc merci machin truc pour tes questions. Link Tony, on va bien. Malheureusement Link Tony, tu arrives à la fin du stream. Je t'inviterai à aller voir le replay sur Twitch ou sur YouTube ou en podcast normalement aussi. À dépend du son, parce qu'on a eu des petites surprises, donc voilà quoi. Les gens, avant de se quitter, je vous le rappelle, il y a une clé du jeu à gagner, c'est super simple, si t'as follow la chaîne, si t'es là, un tirage au sort, c'est 100 points, tu mets point d'exclamation, participer, et on fait le tirage au sort là, juste après, je vais libérer Guillaume, et on fait le tirage au sort tout de suite, donc c'est easy les gens, c'est cadeau, sur le support de votre choix, une clé, et vous êtes offerte à gagner. Donc n'hésitez pas, avant qu'on clôture l'émission, pour pouvoir participer, bien évidemment. Hein. C'est gratuit, Jean. Je remets ça, on te souhaite le meilleur, Guillaume, et on t'envoie plein de bonnes ondes de la part de BMOS. Merci clairement, beaucoup. Ouais. Merci tout le monde, merci pour vos questions aussi, c'était super cool.
Et puis bah, j'espère que vous aimerez bien le jeu. Il n'y a pas de raison. Si on veut te retrouver, te suivre quelque part, Guillaume, est-ce que tu as un compte Twitter ou quelque chose peut-être? Alors j'ai un compte Twitter mais que je n'utilise pas. Je suis pas tellement sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas tellement d'endroits où donc c'est mort. Suivre LinkedIn, mais bon c'est pas c'est pareil. En fait je suis pas très sur pas les trop réseaux réseau. Sociaux, malheureusement. Non, je suis dans ma grotte et je travaille sur des jeux moi. Tu laisses. D'accord. Enfin, je prends pas le temps de communiquer donc. Ok, bon bah écoute, moi je propose et après voilà, il y a pas de souci. Encore merci Guillaume pour sa gentillesse, à bien, sauf pour les quadroïdes, évidemment. Oui, les quadroïdes, ils ont pris cher, les pauvres. Et moi je te propose Guillaume, je vais te libérer, je vais pas te retenir plus longtemps et te remercier pour le temps que tu m'as accordé. Je vais rebaisser le son. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué au jeu, merci d'avoir présenté, puis merci à tout le monde d'avoir suivi, puis pour les questions, c'est super cool de pouvoir en parler, ça fait super plaisir. Merci à tous. Ouais, c'était... Ah oui, je vais rebasculer, je rebascule pour que tu voyes... Tac, c'est laquelle la force... Ah non, c'est le partage... Excusez-moi les gens, hein, vous assistez à la technique, mais on n'a pas trouvé mieux pour que Guillaume puisse voir le live sans replay, sans décalage et ainsi de suite. Hein. Donc, bah voilà, je crois que j'ai tout dit de ce que je voulais te dire. Merci Guillaume pour cette mise à nu de ton jeu. Belle découverte, dit Mangamania. Je pense que ça fait l'unanimité. Hein. Tout le monde a beaucoup apprécié ton jeu, ma foi. Donc c'est cool. N'hésitez pas les gens, il est en démo dispo encore une fois. Et il sort le 22... Donc disponible partout en démat, quelle que soit la console, quel que soit le PC, il tourne sur n'importe quel PC, j'imagine, de toutes les façons. Ça fait en sorte qu'il soit... C'est pas un jeu très gourmand. Voilà. Merci Guillaume, beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. Merci à toi. Et puis plein de bonnes ondes à toi, et je suis sûr que le jeu va bien cartonner et bien s'envoler, et c'est tout ce qu'on te souhaite. Croise les doigts. Merci à toi, des bisous alors à toi. Salut. Ou alors, tu veux être là pour le concours. Tu veux assister au concours. Ah bah moi je veux rester pour le concours. Ah bah moi je veux pas te retenir, mais si tu veux être là pour le concours... Allons-y. Hop. Qui va pouvoir sacrifier des quadroïdes en boucle? Tac. Normalement, si j'ai fait ça... Et voilà, le gagnant, c'est Mangamania qui va pouvoir massacrer des quadroïdes en boucle. C'est toi qui as gagné, cher Mangamania. Alors qu'on perd Guillaume. Guillaume est tétanisé, c'est Mangamania qui a gagné. Est-ce que Mangamania est là? Mangamania est là. Est-ce que Guillaume est là? Guillaume est là. Guillaume, il est revenu. Et bah, c'est Mangamania donc, qui a gagné le concours. Donc, Mangamania, je t'invite à envoyer un MP ici même sur Twitch. Et Thibaut te répondra. Et si j'ai bien suivi ce que m'a expliqué Maximilien, tu recevras une clé du jeu à partir du 22, bien évidemment. Et tu pourras la streamer sur ta chaîne, bien évidemment. Ça fera toujours plaisir. Voilà, je crois que... Bravo et bon courage, Mangamania. Voilà, le créateur te dit bravo, mais bon courage. Ça veut dire ce que ça veut dire, tu vas en chier. Donc voilà, Mangamania, tu envoies un MP sur le Twitch et Thibaut te répondra et t'enverra le code à partir du 22. Nous arrivons à la fin. Merci beaucoup, cher Guillaume, de m'avoir accordé ton temps. Cette fois, c'est vraiment la fin. Je te remercie, merci de m'avoir accordé ton temps. Et puis bah, à très bientôt alors. Merci. Ouais, merci à toi, à très vite. Des bisous au chat, des bisous tout le monde, et à une prochaine, alors pour un prochain stream, le prochain stream pour l'émission Just for Games, le podcast, je vous rappelle, c'est le 2 mars à 15h, je crois que TMDJC va parler de Quadroids dans son focus, donc si je vous invite à être là et à voir ça, pour le voir souffrir, bien évidemment, c'est des captures maison comme d'habitude, avec toutes les chroniques habituelles, tout comme d'habitude. Donc, merci à tous. Mangamania, pense bien à envoyer le MP et au 2 mars. Des bisous à tous. Ciao les gens, bye bye. Salut, au revoir Guillaume, bye.